Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un bandeau cache-oreille. Comme l'hiver est rude, c'est bien de se protéger du froid. Alors, c'est bien de choisir une laine épaisse et douce en même temps. Moi, j'ai choisi une laine épaisse, j'ai choisi du rose pour que vous puissiez bien voir le point. C'est un très très joli point et très très facile à faire. Alors, un crochet numéro 6. Comme la laine est un peu épaisse, j'ai choisi un crochet plus épais pour que le bandeau soit souple. Une aiguille à laine et des marqueurs ou des épingles à nourrice. Pour marquer. Voilà une paire de ciseaux et on va commencer. Alors, pour commencer, on va réaliser 19 mailles chaînettes. On fait notre boucle. Voilà. Et on réalise 19 mailles chaînettes. Suivez avec moi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Voilà, j'ai fait mes 19 mailles chaînettes. Maintenant, pour commencer le premier rang, alors on saute la première et on vient travailler dans la deuxième en faisant une maille coulée. Alors, je saute celle-là, je viens ici. Je vais rapprocher un petit peu la caméra. Alors, ce que j'ai fait, on saute la première et on vient ici. Dans la deuxième, on fait une maille coulée. Voilà. Alors, pour éviter de se tromper, je vais marquer ma première maille. Celle qu'on vient de faire, la première maille coulée, je la marque avec un marqueur, comme ça. Voilà, et on continue. Dans la prochaine, je vais faire une demi-bride. La prochaine, je vais faire une maille coulée. Une demi-bride et je continue une maille coulée jusqu'à terminer mon rang. Une maille coulée. Voilà. Et je continue une demi-bride, une maille coulée. Une demi-bride, et une maille coulée jusqu'à terminer tout mon rang. Voilà, je suis dans la dernière maille, je fais ma demi-bride. Voilà, alors juste un truc, c'est que on commence, on fait les 19 mailles, on saute une maille, on commence par une maille coulée. Alors, on commence par une maille coulée, on termine par une demi-bride. Et là, je vais aussi marquer ma demi-bride. Comme ça, surtout pour les débutantes, pour ne pas se tromper. Là, je vais faire une maille chaînette et tourner mon travail.
Là, je ne vais pas travailler dans la première, je vais ici, où il y a mon marqueur, mon épingle. Je vais faire la même chose, une maille coulée. Voilà, et j'enlève mon épingle et je la place ici, dans la première maille coulée que je viens de faire. Et je continue la même chose. Dans la prochaine, je vais faire une demi-bride, une maille coulée, et je continue comme ça. Une demi-bride, une maille coulée, jusqu'à terminer mon rang. Une demi-bride, une maille coulée. Alors, je viens de commencer par une maille coulée. Automatiquement, je vais terminer ici où j'ai mon marqueur par une demi-bride. Alors, l'avant-dernière, une maille coulée. Et la dernière, je vais faire une demi-bride là où j'ai mis mon marqueur. Voilà, et j'enlève mon marqueur, je le remets sur ma dernière, plutôt quand je vais recommencer le rang. Là, je vais faire une maille chaînette, je tourne mon travail, je ne travaille pas dans la première, je viens dans la deuxième et je fais ma maille coulée. Voilà. Et je remets mon marqueur ici. Après, c'est une question d'habitude. Voilà. J'ai fait ma première maille coulée. Là, je vais venir et faire à côté une demi-bride. Une maille coulée. Une demi-bride. Là, je vais continuer à faire comme celui-là, ce rang-là, jusqu'à arriver à 47 cm. Vous pouvez mesurer sur votre tête ou bien faire un rectangle. Vous voyez, comme ça, on a à peu près 13 cm. Voilà, on a 13 cm là. Je vais continuer jusqu'à arriver à 47 cm. C'est le tour de taille, le diamètre, si vous voulez, de la tête d'un adulte. Je vais terminer mes rangs jusqu'à arriver à 47 cm et on se retrouve. Voilà, moi j'ai terminé la longueur voulue. Voilà, alors j'ai fait 47 cm. Je vous ai dit là, la largeur à peu près, c'est 13 cm. Voilà. Et voilà comment il est. Un joli point, un très très beau point. Voilà. Maintenant, mon dernier rang, ça sera un rang de mailles coulées. Qu'est-ce que je fais? Je viens là, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je viens faire ici dans la deuxième, je fais une maille coulée. La prochaine, une maille coulée jusqu'à terminer tout mon rang. Voilà. Et je termine mon rang avec une des mailles coulées, comme ça. Choisissez une laine épaisse et douce, comme ça, ça sera vraiment agréable sur la tête pour cacher les oreilles. C'est un cache-oreille, un bandeau cache-oreille contre le froid.
C'est très agréable en hiver. Et voilà, je viens de terminer tout mon rang. Alors, on aura ici, quand on va compter nos mailles par là, on aura 18. Du moment qu'on a fait 19 et on a sauté une, on va se retrouver avec 18 mailles. Voilà, moi j'ai terminé. Comme ça, c'est très joli. Maintenant, on va unir les deux côtés. Ce qu'on va faire maintenant, c'est d'unir les deux côtés. Voilà, je reprends mon fil. Je vais faire 4 mailles chaînettes. 1, 2, 3 et 4. Je vais unir les deux côtés en laissant une petite séparation. Je viens là. Je prends là la première maille de l'autre côté et je viens faire une maille coulée. Voilà. Là, je vais continuer avec 4 mailles en l'air et faire un zigzag. Comme ça, pour unir les deux côtés, je fais mes 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. Je le place. Mon bandeau comme ça, je viens là et peu importe, l'essentiel c'est des zigzags. Vous pouvez le mettre ici, un peu plus bas. Vous faites vos zigzags avec les 4 mailles en l'air jusqu'à unir tout le bandeau. Je viens là, vous voyez, et je fais une maille coulée. Comme ça. Voilà, je continue avec 4 mailles en l'air et là je vais unir l'autre côté. Je vais là, je vais placer comme ça mes 4 mailles en l'air. Je saurai à peu près où mettre ma maille coulée. Voilà, et je viens tirer mon fil. Voilà, je vais tirer mon fil et faire ma maille coulée jusqu'à terminer mon bandeau, unir mon bandeau. Alors, 1, 2, 3 et 4. J'en ai fait cet hiver pour mes enfants, pour ma famille, mes cousines. C'est vraiment agréable à porter. Voilà, je viens là, je fais ma maille coulée jusqu'à terminer. Je fais encore mes 4 mailles chaînette, je le place comme ça et là je vais comme ça, je vais faire ma maille coulée. Voilà, je le place comme ça pour tirer facilement ma maille coulée. Voilà, et je continue jusqu'à terminer. À unir les deux côtés. Voilà, toujours avec une maille coulée, hein. Faut pas se tromper. Voilà, je viens là, peu près comme ça. Je viens là. Je fais ma maille coulée et je termine.
dans la dernière ici. Je fais ma maille coulée. Voilà. 2, 3, 4. Il me reste le dernier. Là, je vais le placer. Je vais le placer ici. Comme j'ai fait au début. Voilà, pour que ça soit bien fait. Voilà, et voilà, j'ai terminé à unir les deux côtés, vous voyez, avec quatre machinettes, une maille coulée, en faisant des zigzags. Voilà. Voilà, moi qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire une maille comme ça, étirer mon fil, couper et le tirer. On aurait pu ne pas faire ce genre de zigzag, unir les deux côtés par des mailles coulées, mais quand on va faire notre nœud comme ça, notre nœud papillon, ça va être vraiment trop épais et pas agréable et pas confortable sur la tête. Là, on a fait des mailles chaînettes de 4 avec une maille coulée pour quand on va ici prendre notre bandeau et le serrer là. On va le pincer ici, ça va être plus joli et plus confortable sur la tête. Qu'est-ce que je fais? Moi là, je prends, je le presse comme ça, je l'arrange et je prends mes deux bouts et là, je vais faire un nœud. Je vais tirer mon fil des deux côtés et pincer ici pour faire ce joli, ça sera vraiment vraiment un joli nœud papillon. Je passe encore mon fil comme ça et je fais un nœud. Une fois, en même temps, je l'arrange comme ça pour que ça soit vraiment joli. Je fais un deuxième. Je tourne aussi comme ça mon travail et je fais un nœud derrière. Voilà. Là, je viens le terminer. Il me reste les finitions. On va travailler, on va faire une petite bande ici pour cacher ce pincement là. Et je vais cacher mes fils. Voilà. On va faire maintenant une petite ceinture pour cacher là les nœuds et le pincement ici. Pour décorer mon bandeau. Là, je vais faire 6 mailles chaînettes et on va travailler rien qu'avec des mailles serrées. Alors, je fais 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je travaille pas dans la première, je viens dans la deuxième et je fais ma maille serrée. Voilà. J'aurai en tout 5. J'ai sauté la première, j'aurai 5. Voilà, je continue à faire mes mailles serrées.
l'échinette, je tourne mon travail et je refais la même chose jusqu'à arriver à 6 rangs, 7 rangs à peu près. On va voir si ça suffit pour le coudre ici, pour cacher ce nœud et le coudre, toujours avec des mailles serrées. Voilà, une maille chaînette, je tourne et je continue à faire mes mailles serrées jusqu'à obtenir la longueur désirée. Et on se retrouve. Voilà, moi j'ai terminé mes 7 rangs, j'en ai fait 7. Je vais mesurer sur mon bandeau pour voir si c'est bon. Parce que je vais le coudre, comme ça, cacher mon pincement avec cette bande, cette petite ceinture. Et je vais le coudre par derrière, comme ça. Ça va, ça ira. Ce que je vais faire une maille chaînette et couper mon fil. Voilà. Ce que je vous conseille, c'est de laisser un peu le fil long comme ça. Comme ça, quand on va coudre, on va utiliser carrément celui-là. On va coudre notre petite ceinture. Voilà. Il faut pas se tromper, il faut la coudre comme ça à l'endroit. Alors, je la positionne comme ça et j'attrape les deux côtés et je vais coudre ici de derrière les deux côtés de ma ceinture. Comme ça, je vais cacher mes nœuds, décorer bien ce joli ce pincement. Voilà, vous voyez qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de coudre ma petite ceinture au niveau du pincement. Faire un joli nœud. Je vais rapprocher un peu la caméra. Voilà. Laissez les fils un peu longs et cachez-les avec une aiguille. Il faut pas les couper trop ras. Ça risque, ils risquent de s'ouvrir. Vous voyez comment c'est? C'est très 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 joli. Je termine de coudre. Je termine de coudre et je cache mes fils. Voilà. En même temps, je jette un coup d'œil pour voir si c'est bon. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Regardez ce que je vais faire. Moi, je vais faire passer mon fil l'autre côté, comme ça, pour faire un nœud avec celui-là. Tout ça, c'est des astuces pour que le fil reste bien en place. Je vais faire un nœud avec ça. Avec, vous savez, avec les lavages, la machine à laver et tout, on risque d'avoir des surprises. Voilà. Voilà mon bandeau cache-oreille. Très facile à réaliser et très, très, très joli. Je vous conseille une laine épaisse et douce. Et ça sera très très beau et très agréable à porter. Voilà. Je vous remercie. Cachez les fils, moi je vais le faire d'ailleurs. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois avec un nouveau numéro.
Merci.